Coucou tout le monde. Moi, je me suis amusée à faire ça pour Ophélie. Bon, j'ai pas fini. Hein. Bon, là, c'est un peu abîmé, rouillé. Mais ça, on va frotter. Ben, non. Sinon, je vais mettre un peu de silicone pour cacher la misère. Parce qu'il y a des choses un peu à faire ici. Donc, j'ai encore juste derrière à faire. Là, derrière, je me refais tout le joint. Parce que c'était jaune. Avec l'ouvrier qui a mis juste une toute fine couche, tout s'est enlevé. Tellement c'était radin que c'est décollé. Du coup, ben voilà, je l'ai fait. Au moins, elle est tranquille. Je vais juste mettre un peu là pour cacher la misère parce que je sais comme c'est de la rouille. Je pense pas qu'on va pouvoir l'enlever. Et puis là, derrière encore, je vais faire. Et puis j'aurai fini. Que je fais plus tard. Comme là, on avait fait le signalement, il est au milieu du joint. Mais il en a mis tellement peu, vous voyez, qu'il a servi à rien. Ça passe quand même. Hein. Il a vraiment pas bien couvert. Hein. Il en a mis vraiment peu. Hein. Attendez, je vous montre. Là. Vous trouvez ça assez bien posé, ça? Il a juste passé une petite couche. Et regardez. Franchement. Donc voilà, une fois terminé. Ouais, le reflet, ça, c'est l'ombre. Mais ça y est. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Super, hein? C'est ben des anciens locataires en fait, il y a pas mal de travaux, enfin quelques babels qui n'ont pas été faits alors que ça a eu de faire, ben, même ça, ça m'a pas foutu faire. Son minimum de silicone qu'ils ont mis, à baignoire pareil, c'est des choses que même ça ils font pas, c'est un truc de fou. Mais par contre quand vous vous sortez, hein, il n'y a pas de problème, on le facture, il n'y a pas de souci. Hein. Même que c'est pas tout. Voilà, alors du coup ben moi je sais me débrouiller. Je ne suis pas une pro, mais je me débrouille. Bah oui, chez moi, je fais aussi à ma mémoire. Donc, il y a des fois des petits défauts. Franchement, là, nickel. Parce que c'était jaune. En plus, ils ont mis du silicone transparent. Il ne faut pas mettre transparent parce que c'est dégueulasse. Là, elle est contente, Ophélie. On a même caché la misère. Parce que j'essaie d'enlever les bouchons, ça s'enlève pas. Coucou tout le monde. On est quoi aujourd'hui maintenant? On est mercredi. Demain, c'est jeudi. Après, c'est vendredi. J'espère que tout le monde va bien. Je suis mis un peu sur mon 30, tiens, vous avez vu. Il était temps. De temps en temps, ça m'arrive. T'as vu, elle grince aussi, cette chaise. Mais c'est un... Attendez, je vous montre quand même le rouge à lèvres. C'était une fois d'une box. Oh, lieu, ça date. En plus, c'est pas de la merde, c'est de la marque. Bon, enfin, pas de la merde. C'est un MAC. J'ai mis celui-là. Elles sont bien, mais moi je préfère les Sephora parce que déjà ils tiennent toute la journée, vous n'avez pas à les remettre sans arrêt. Et puis ils sont plus secs et ceux-là sont plus crémeux. Moi j'aime bien ce style-là. Oh bah ça c'est le mascara. Ceux-là. Parce qu'ils tiennent toute la journée, ceux-là, les Sephora là. Ouais, mais ils sèchent les lèvres. Ouais, ils sèchent les lèvres, j'avoue. De toute façon, ils sont un peu secs. Mais ils sont bien. Pff, moi je m'en fous, mais quand même. De toute façon, qui c'est qui met sa bouche contre ma bouche? Il n'y a que moi. Bah oui. On ne sait jamais, attendez. Hein. On ne sait pas. Voilà. Moi, j'aime bien les ceux-là. Ah oui, collision. Parce qu'ils tiennent toute la journée, franchement. Ils tiennent toute la journée. Vous pouvez manger. Des fois, ça peut arriver que ça s'enlève un peu. Pour ajouter un petit peu. Mais ceux-là, mais ils vous restent sur les lèvres. C'est un genre de brun comme ça. On les donnait plein. Léa, elle a toute la collection, la boîte. J'ai celui-là, ça c'est Ophélie qui me l'a donné. Oh, t'as ces articles dedans. Il n'y a pas que écrit que ce qu'il y a dessus. Ça fait 16 et 16. Il y a d'autres trucs. Non, il y a plein, il y a plus que... Tu vois, il y a marqué ça. Mais en tout, il y a 16 articles dedans. Dans une box. Ouais. Donc ça fait 16 x 3. Pourquoi x 3? Je voulais en prendre 3. On en a pris 3. Non, c'est pas ça, ça c'est je te parle du colis que t'as vu avant. Les colis là. Ah oui. Ouais, mais ça c'est pas trop mon truc. Comme les cacao, il y en a trop. C'est beaucoup, je pense que pour les grandes familles ou bien pour certains trucs d'entreprise ou je sais pas. Je vais essayer quand même. Elle m'a donné celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. Moi j'avais déjà mis. Parce qu'il en manque un petit peu, pas beaucoup. Parce que je les mets pas souvent, parce qu'il faut les mettre à chaque fois. Et ça, c'est quoi? Rare Beauty. Complément, 28 grammes. Le 0,10.
Moi, il y a marqué là, moi. J'ai encore 2-3 babioles, mais sinon, j'ai plus grand chose. J'ai donné, moi. Parce que j'ai ma crayon noir, mascara, puis ça ira très bien. Là, j'ai mes 2 crayons. Oh, il dure, alors je ne dis pas. Hein. Il dure des années et des années. Il faut que je pars à 14h. C'est quoi ça? Ah, c'est le mascara, j'aime bien celui-là. Même si ça ne fait pas un gros volume, ça, moi j'en m'en fous. Mais il est bien parce que c'est pour les yeux sensibles. La roche posée sent bien ceux-là. Volume, il fait un peu de volume, mais pas comme si on avait des. Voilà. Mais il est bien, je l'aime bien celui-là. Et au fil des mains, une fois dit de prendre celui-là, franchement, c'est celui-là que j'ai là. Sur les yeux. Par contre, je l'ai fait un peu de volume. Et j'ai pas de paquet ni rien. Celui-là, il est bien. C'est comme le bénéfice, sauf qu'il est moins cher. Ouais. Celui-là, il est bien. Ouais, il est trop bien. Ouais, le bénéfice, il est trop bien. Ouais, il vous fait ses volumes. On l'avait une fois acheté. Une fois, c'était offert à 3. Ça, c'est du crayon blanc qu'on mettait sur le coin de l'œil pour illuminer un peu le regard. Enfin, bref. Que je mets jamais, enfin une fois tous les 15 ans. Ah là, ah déjà, mais il est quelle heure? 11h30. Ah. Bon, moi je prends les feuilletés, moi. Je prends ce que tu veux, qu'est-ce que je m'en fous. Ah, j'en ai 2, mais j'en ai encore 2-3, mais là certains j'en ai donné. Un petit taille crayon au cas où, et les 2 petits rouges à lèvres. Voilà. Et ça c'est ma poudre, pour mes cheveux. Ça marche bien. Et moi je monte tout. Oh. Il y en a pour 15 ans. Une vidéo de 3 heures. Tu sais pas plus, ça fait un film carrément. Et en plus, avec plusieurs épisodes. J'ai beaucoup trié. Moi, j'ai donné parce que je me maquille très rarement. Moi, on voit sur vidéo, c'est très rare. Mais là, je sais pas, j'avais envie. Sinon, voilà. On a fait un Togo. C'est chinois. Ouais, pour enfin, les sushis, les trucs comme ça. Parce qu'on connaît pas tout non plus. Ça nous permet peut-être de goûter des choses qu'on n'a jamais mangées. On verra. Et puis de base, c'est cher le chinois. Ouais, c'est coûteux. Et là, j'avais vu 2 paniers que j'avais fait comme la pintade, là. Mais comme Ophé n'était pas là, j'ai pas fait parce que, au cas où. Parce que s'il faut aller là-bas, plus là-bas, elle n'avait pas. Donc, je vais voir dans les prochains jours. Ouais. Parce que ça valait le coup, hein. Ça permet aussi d'avoir à manger dans le congélateur, ces trucs-là. Et des choses que tu manges jamais, que tu peux pas t'acheter, tu peux l'avoir comme ça. Mmh. Tu vois? Bah oui. C'est comme les boulanges, hein. Ça date de la journée même. Hein. Donc, ouais. C'est dommage de le jeter si c'est gagnant. Hein. C'est voilà. Gaspillage. Mais oui. Et la perte, il gagne un peu d'argent. C'est pas comme... À Leclerc, pour. Alors là, les dates courtes, j'y vais même plus. Je suis allée une fois, non merci. Une fois, on a pris de la viande. Elle était même pas bonne, ouais. Et une fois, Lidl à 1 euro, c'était toi 1 euro. Ah ben merci, hein. Toi, valser, hein. C'était à la viande à schlinguer, hein. T'es pas bonne. Du coup, moi, c'est mort, je prends plus rien. Et le Leclerc, ils ont un tout petit coin. C'est un tout petit, hein. Vraiment une petite. Comme le truc d'aller là. Ouais. Au bout. Mais c'est un carnage, parce qu'en plus, ça, c'est les gens. C'est pas... Non, c'est les gens. Ils fouillent, puis dans un coin... Mais ils font que des moins 20, ça, vraiment. Ouais, en plus, ils font que des moins 20%. C'est pas pour ça qu'ils vont... Si c'est pour gagner 50 centimes moins 1 euro, moi, je crois, hein, tout c'est mort. Et puis, les gens, ils jettent. Il y a même des fois des desserts, la pâtisserie, ils le jettent. Mmh. Et tout est dans un... écrasé. Donc là, c'est mort. Les autres, l'autre, c'est le fameux ancien Simpli et le Auchan. Par ouais. Contre, là, avec une Florent, une fois, on était ensemble, on s'est pris une palette à la diable. On en avait pour 4 euros chacun. Pas cher. La palette, alors que ça n'a pas 8 à 10 balles, voire plus des fois, ça dépend là. Grave, c'est cher ça. En plus, non, il l'avait fait, c'est vrai. Oui. Là, on trouve des trucs intéressants. Bon, il n'y a pas tout le temps, mais de temps en temps, quand on va régulièrement, on tombe toujours sur quelques petits articles intéressants. Voilà. Bon, moi, j'ai récupéré mon bracelet, ça m'a manqué. Je me sentais vide. Tu sais, j'ai pris l'habitude. Entrez. Sinon, ben, on attend le Togo, comme ça, je vous montre ça. Ma mère, ça va. Ça sent la sardine, là, les macros.
Tu sais qu'il y en a plein des abonnés qui m'ont dit qu'ils font avec les biscottes. C'est trop bon. Là, c'est croustillant et puis c'est moins lourd que le pain. Je mange aussi du pain, mais j'aime bien plus pour les biscottes. En plus, ça dure très longtemps. Mais le pain aussi, on a du pain là. On va faire des grillés sinon avec du pain beurre confiture. J'avais fait de la confiture. J'ai un grille-pain. Quand Léa elle vient, je vais demander si elle peut me ramener un pot. Mais j'ai dit, j'ai un grille-pain, donc on peut le faire. Parce que sinon, après, on pourra de nouveau le valser. On en a congelé. Et on a juste laissé un dehors. Et bon, on le mange. Ou sinon, ben, on le fait avec du lait. Genre, il a dit chez eux, ça marche. T'as vu, le monsieur, il est content, il a débloqué son téléphone. Parce que l'ordi, c'est la même marque que le téléphone, donc ça marche. C'est bloqué quand tu ne prends pas la même marque. Parce qu'il a bloqué son téléphone. Parce qu'il ne fait que changer de mot de passe. Et j'ai dit, punaise, c'est dommage qu'ils ne le font pas payant. Parce que ça le démotiverait de changer le mot de passe. Du coup, il a dit, ah non, je ne le fais plus parce qu'il faut que je paye. Ça fait 3 jours. Ben ouais, ben, elle n'avait qu'à pas changer. Puis voilà. Je voulais faire coucou, mais je ne sais plus. Franchement, je ne sais même plus. Sébastien. Ah oui, voilà. Je voulais faire coucou à mon cousin. Youhou, Sébastien, tu viens boire le café? Tu veux ça, des cailloux? Tu veux des cailloux? Tu viens boire le café? Oh, on rigole. Quand nous deux, oh, laisse tomber. Quand nous deux, les conneries, c'est... Mais c'est que pour rigoler. Hein. Il va être content, il a... Là, je suis sûre, quand il va regarder, il va faire youhou, il va téléphoner, il va faire youhou, tu veux boire le café? Ah, c'est vrai, j'avais oublié, c'était ça que je voulais faire. Moi, ouais, sinon, j'ai rien d'autre à dire de plus. Hein. Oh, ben moi, je vous laisse, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous montre après tout ça. Là, j'ai gratté un peu de l'ancien joint. Vous voyez comme c'est noir avec ça. C'est pas non plus l'idéal, hein. Ouais, vu comme c'est noir. Je suis en train de faire le joint de la baignoire. Au mieux que je peux, je suis pas un pro. En tout cas, je mets plus qu'un je mets plus que l'ouvrier qui est venu. Hein. Parce que franchement, par contre, c'est toujours la galère là derrière. Mais ça va. Oh putain, c'est plus propre. Je suis grave. Que je récupère, moi je jette rien moi. Hop. Attends, j'ai. Non, parce que là. Appuie sur le bout, ouais. Parce qu'avant j'ai fait, ça m'a juste mis un peu pour que ça glisse un peu. Tu parles. Voilà, là c'est bon. C'est déjà mieux, hein. Attends, faut que je cherche un papier. Ah, c'est mieux, hein. Et c'est pour les traces là-bas, ça. On peut prendre quoi? Quelle trace? C'est le truc sur les. Parce que c'est pas du joint, c'est comme du béton, tu sais. C'est la merde, hein. Bah, tiens, peut-être des abonnés me donneront une astuce. Moi, peut-être. Parce que en fait, là, entre les carrelages, là, c'est comme du béton. Je sais qu'il y a la javel qui peut aider, mais il faut mettre des tout. Traces là, des anciens locataires, là. Tu gardes. Oh merde. J'ai oublié que j'étais marquée, moi. Tu mets des suites et tu laisses imprégner avec les suites. Ah ouais, peut-être. Ça, je sais que tu peux faire pas comme ça parce que ça coule, mais ça reste pas dessus. Une proie, mais voilà, ça fait propre quoi. Au moins, c'est bien bouché
n'a pas de problème parce que franchement, c'est catastrophe. Là, du coup, elle veut voir pour mettre une barre de douche. Vous savez, les petites barres où on accroche les pommeaux de douche. Je sais que ça se vend. Il faut juste percer au niveau de là, sur le plâtre. Je sais percer aussi, du coup. Je perce là. Et vous percez en haut, vous établissez. Hop, et c'est réglé. Vous pouvez accrocher votre pommeau de douche. Et ça, je vais lui enlever aussi. On va enlever ça, on va boucher le trou. Voilà, et puis on va essayer de récupérer un peu la blanchir, la baignoire. Hein. Là, ça va encore. Franchement, la baignoire, ça va. Il y a un peu de trace juste là. Mais sinon, la baignoire, ça va. Mais c'est beaucoup le bas du carrelage là, qui a pris un coup. En tout cas, c'est quand même plus propre maintenant qu'avant. C'est comme les toilettes. C'est quand même mieux, donc. Il y a encore quelques trucs babioles à faire. Mais en même temps, tout doucement. Moi, c'est quelques robes, deux, trois trucs à faire. Donc, en prenant notre temps. Ce que je vois pour en acheter un autre. Action, parce qu'il n'en reste plus tellement. Parce qu'on en a encore besoin. Pour le lavabo, en dessous, parce que c'est des pieds... vous savez, comme des poutres, là. Ça aussi, ça bouge et en bas... Et ça, c'est petit à petit. Maintenant, j'ai fait le plus gros, le reste. Tout ce qui est à sol, je le fais plus tard quand moi, ça va mieux. Sinon, là, c'est en hauteur, ça va. Enfin, le petit, il fait dodo parce qu'il a pleuré comme tout. Moi, je vais aller me faire un café. Là, ma fille, elle est partie. Elle est allée au Togo chercher le colis qu'on a réservé. Et moi, je vais me faire un café. Ah, chez moi, j'ai encore un sachet. Là, je vais mettre ça. So, hop là. Il a sa petite musique. Pff, mais con. Pas envie. La vraie vie, c'est ça. Voilà, le quotidien. Ah oui, il faut qu'on accroche le linge. J'attends un peu quand elle rentre. On va accrocher le linge aussi. C'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, bon, moi je vais faire mon café. Je vous dis à tout à l'heure, je vous montre ce qu'on a reçu. C'est le petit qui me regarde. Alors, bon homme. Il va avoir son biberon après parce qu'il a réveillé avec sa petite balançoire. Du coup, vu l'arrivée, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Donc, il y a 3 et 3. Voilà, il y en a 3. Hop là. Et là, il y en a 3. C'est Togo, là, pour les 15 euros. Je vous l'ouvre quand même. Mais c'est encore chaud, donc ça vient de midi, elle m'a dit. Attendez, je vais faire ça. À mon avis, il y a assez, même ça. Même pour 4, et pour les yards, comme ça, quand elle vient. Bah, il y a les nouilles. Et là, je pensais du poulet caramélisé en couleur sauce. Et il y a des crevettes. Des crevettes panées, là. Bon, ça, on peut le faire aussi maison. Mais... Franchement, ça sent super bon, ouais. Bon, il y a ça. Donc, déjà, ça... ça, moi, j'en aurai pour un bon moment. Oh, bah, écoute. On verra. Je vous montre les autres parce que je sais pas. Ah, peut-être ça c'est pareil. Je sais pas. J'ai pas cassé le couvercle. Hein. Ah. Bah là aussi, je sais pas. Franchement, ça doit être des patates, ça, je pense. Je pourrais pas vous dire. Je connais pas franchement tout. Des repas chauds. J'ai l'habitude de manger des nems et tout ça. Il y a aussi des crevettes avec de la viande. Genre de sauce brune, ça sent, je sais pas, ça sent la sauce brune. bon. Attendez, faut pas que je renverse tout ça. Je sais jamais. Voilà. Je sais pas si ça va être des patates. Bon, j'ai pas touché avec les doigts. Hein. Il y a aussi des crevettes au fond. On va goûter ça ce soir. Là, il y a. Oh, cette chaise, elle me rend malade. Elle fait que de grincer. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. On dirait que je suis chez ma mère. Là, le troisième. Je crois que c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Regardez.
des petites crevettes, des petites viandes, et puis voilà, je sais pas, franchement, je connais pas. C'est possible, c'est des patates. Hein. J'ai l'impression que c'est des petites patates toutes fines. En plus, elle va me faire un sale coup à Florian. Parce qu'il est déjà pressé, il a dit, pour le Togo Togo, parce qu'il aime bien manger ça aussi. Alors, j'ai dit à Ophélie, c'est ce qu'on lui dit. On va lui dire que. Qu'est-ce que j'ai dit? Que ouais, c'était pas bon, on a dû le refuser, puis ils vont nous le rembourser. Pour moi, qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'est un coup, hein. Pas vrai, on est bien servi. Franchement, ouais. Je suis surprise. Et ça. Hop là, je vous le montre. Ah. On a les petits trucs entrées, hein, les nems et tout. Ça, voilà, comme là, je connais pas non plus, on connaît pas tout. Attendez, je vais quand même prendre avec. Vous avez vu? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Les nems, on connaît, hein, force. Et ça, c'est des petites crevettes. Ça, on connaît, à plusieurs nems. Attendez, que je vous montre quand même. J'essaie de montrer au mieux. Hop. Hop là. Pas faire tout tomber. Voilà. Je sais pas, l'autre c'est le même à peu près. Ouais, je pense le même. Même genre. Du coup, comment je l'ai mis maintenant? Elle n'a réussi à le mettre. Voilà. Bien sûr, c'est des trucs qui sont dans la friture. C'est pas du light. Hein. Ah bah. Ça, c'est impossible de manger tout ça. T'es malade. Là aussi, il y a plusieurs sortes. Avec. Ça dedans, les petits, ça genre comme les calamars quoi, pareil, et l'autre pareil avec des nems, c'est comme les nuggets au poulet ça aussi, enfin on va goûter, hein. Et là c'est pareil, hein, c'est la même barquette, hein, vous voyez, on voit à travers, là le petit nems et tout, franchement il y a de quoi faire. Au final il me dit ouais il restera pas, ah bah merde. Là, à 4, 5, ça bourre ça. Elle a peut-être pas encore imaginé tout ce qu'il y a dans les trois autres aussi. Et avec trois petites sauces. Franchement, ils ont dû comprendre que c'était pour trois personnes. Parce qu'ils ont mis trois sauces avec. En tout cas, c'est franchement à refaire chez eux. À refaire, ouais. 15 euros. Hein. Mais vous vous rendez même pas compte pour combien il y en a là au moins dedans. Je sais pas, c'était combien? Il y a au moins pour 40 balles là, je suis sûre. Je sais pas, je mets ma main coupée. Enfin, quand même pas, mais bon. De toute façon, de parler, c'est un proverbe. Hein. Et là, il y a encore 3 sauces. Et Ophélie, c'était combien le menu là qu'on a appris pour une personne? 5 euros, hein, 4,99, hein? 4,99. Et là, on a payé 15 euros. Donc pour 3 personnes, en fait. 6 barquettes, quoi. Et c'était d'une valeur de combien qui avait marqué, tu sais plus? La valeur, c'était de combien? 12 euros. Eh ben, 36 euros, ben j'avais pas tort, j'ai dit au moins 40 euros tout ça. Approximatif d'une quarantaine d'euros, j'ai pensé. T'as tu dis que ouais, tout, oh ben, t'as tout ce qu'il y a? Là, il y a suffisamment même pour Léa. C'est bourratif ces trucs-là. Hein. Vous mangez 3 nems, vous êtes déjà. Ben oui. À nous quatre. Je suis sûr, il en reste encore. Quoique. Parce que Florent, je sais comment il va faire. Oh! Je vous ai fait glisser. Parce que j'ai dit que je vais la refaire. Je vais faire un sale coup à Florian. Comme quand on va dire, ouais, ça n'allait pas, on a du truc. Ça ne nous convenait pas et on va nous faire rembourser. Parce que les tout ouais, c'est 4,99. Ah, 4,99, ça. Pour 15 euros de valeur. Pour 15 euros. Ouais, t'as vu? 45 euros, même plus. J'avais raison. Et comme il est tout pressé, ouais, bon, je sais, il faut que j'articule. Comme il est pressé, et ça l'attire aujourd'hui, je sais pas, elle a dit. Bon, mais j'espère que vous ne mangez pas tout, hein, que vous m'en laissez. Hein. Et comme il sait qu'on partage tout le temps, on est comme ça. Du coup, j'ai dit, bah, Ophélie, bah, on lui fait un sale coup. On lui dit que, du coup, on a dû annuler, que ça va pas, que ça nous a pas convenu. Ça nous est pas convenu. Enfin, bref. Et pour voir la tête qu'il fait. On lui fait le sale coup, hein. Ouais. Hello, bonhomme. Coucou.
Il rigole. Un bonhomme. Hein, mais oui, t'as bien fait dodo. Là, je suis là. Coucou, bonhomme. Qu'est-ce qu'il est beau. Hein? Youhou! Et alors? T'es bien là-bas, hein? Mais oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je sais plus. Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire. Franchement, à refaire. Franchement, chez eux, c'est à refaire. Au top. Et en plus, elle vient d'aujourd'hui. Franchement. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils peuvent jeter. Voilà. Mais moi, j'en ai pour longtemps. Je n'aurais même plus en congelé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Vous faites un restaurant pour 4,50 €. J'ai un resto. À la maison. Mais un restaurant, mais à la maison. Ça y est, il commence. Il a faim. J'en étais sûre, c'est bientôt l'heure. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Je vous dirai si Florian, qu'est-ce qu'il en a pensé. Hein. Voilà, avec Ophélie, on a tout départagé. Bah, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, trois personnes. 1, 2, 3, 4. Je demande à Léa si elle veut venir. Il y a de quoi faire. Il va être content, Florian. Il y a des... Ça, ça doit être des calamars. Des trucs de poulet. Bon, je trouve que chaque modèle sont propres. Hein. Il y a de quoi faire. Crevettes. Il y a assez. Bon ben voilà. Bon appétit. Coucou tout le monde, nous sommes. On est quoi aujourd'hui? Oh là là, je crois. Oh, on est jeudi. Ouais, du coup là, je viens de sortir de l'hôpital. Les soins sont faits. La mouche est toute fine. Il n'y a presque plus de profondeur. J'en ai presque les larmes aux yeux. Enfin bref. J'espère que tout le monde va bien. Elle m'a dit si tout se passe bien la semaine prochaine, on me débranche le vac, on arrive au bout. Je suis contente, franchement. Non, faut vraiment, c'est... Oh, ça me fait du bien. Alors, du coup, pour le filet, j'ai dit que je sens beaucoup les... Ça me tiraille dedans. Ça met à peu près 3, maximum 6 mois, tant que ça se résorbe. Donc là, je vais rejoindre ma fille. Alors, je sais pas si elle veut faire des courses. Non, c'est rien, franchement. Bon, ouais, ici, chez nous, il y a du monde. Hein. Voilà, c'était juste pour vous partager tout ça. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on va finir la vidéo chez Florian. On a fait le retour de course. Tu la postes quand, toi, la vidéo? Finalement. Peut-être tu l'auras posté avant que moi je poste ça. Ah, tu l'auras posté avant, alors. Il l'aura posté bien avant. Ah, mais si je veux faire l'autre vidéo, faut que ça va faire bizarre parce que l'autre vidéo, la fin, elle est courte. Qu'on est au magasin. Et normalement, je veux d'abord que tu postes l'autre avant celle-là. Bah, ça va même pour dimanche et l'autre, faut que je mette pour demain. Ouais, faut que tu mettes d'abord l'autre parce que ça suffit pas. Mais là, je peux déjà la programmer pour dimanche. Ouais, tu peux déjà programmer tout ça, tu peux faire, mais faut que tu la mets en deuxième. Sinon, ça fait cucu. Si jamais ça vous intéresse, c'est Florent Vidéo, ta chaîne. Hein. Florent Vidéo. Avec un S. C'est l'amoureux de ma fille. Voilà. Au cas où, si jamais. Il a fait ses vidéos de retour de course, il a fait. Et une autre vidéo. Je sais jamais. Moi, ça va un peu mieux. Ben, hier, par contre, j'étais KO. Là, ça va un peu mieux, ça me tiraille moins, Ophélie. Je n'ai même pas fait gaffe, moi. Enfin, attends, je suis assis aussi. Hein. Parce que hier, j'ai fait le soin. Et là, depuis, ça me tirait sur le ventre. Il y a la tâche du filet. Mais je trouve que c'est du fil résorbable. De toute façon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le chirurgien. Donc, si tout ça marche bien, je serai débranché. Yes! Et un pas en avant. Sinon, tout va bien. Alors, je voulais juste partager si jamais vous voulez. Parce que comme je sais qu'il y a des nouveaux abonnés aussi, voilà, si ça leur plaît, s'ils ont envie. On n'est pas obligé, hein, c'est juste pas là, on peut passer le message. Du coup, oui, j'ai encore mes lunettes parce qu'on a fait le retour de course. Parce que je vois bien, je vois pas. Hein. C'est pour lire, enfin, voilà, de prix. Ça commence comme là. Quand je suis comme ça, voilà, je vois. Franchement, c'est vrai que c'est plus petit. De toute façon, faut que je prenne rendez-vous aussi pour mon détartrage, Ophélie. Ouais. Faut que tu me donnes le truc et comme ça, je peux prendre rendez-vous. J'ai déjà donné. Ah. Bon, depuis entre-temps, j'étais à l'hôpital. Ouais. Plus tard, quand t'as le temps, tu me le repasses comme ça, je vais prendre rendez-vous pour mon détartrage. Et je vais demander s'il peut faire quelque chose là, où cette dent, ça peut être moins voyant, parce qu'elle est un peu foncée. Oui. Merguez.
Parce que bon, j'ai juste ça, bon, j'ai des problèmes aussi aux dents. Moi j'ai pas de caries, j'ai rien. J'ai des couronnes qui bougent. Mais je fais pas. Sinon j'ai pas de caries, j'ai rien. Si j'étais prendre des couronnes. Et puis après, hein, l'arrêt de tabac, sur quand on fume, ça jaunit les dents aussi. Pour le moment, je touche du bois, pour l'instant ça va. Mais j'ai quand même fait un étaffrage. Bon ben voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à d'autres vidéos parce que bon, je crois que je vais arrêter là. Parce que j'ai assez fait. Enfin, je pense. En plus, il y a le prince qui pleure. Moi, à cause de la tétine. Ouais. J'ai un date avec lui. Ce soir, on est ensemble. Voilà, plus tard, je mets l'autre. Ouais. Ça, samedi, dimanche, ça fait deux vidéos. Ben voilà. Oh, moi, je suis un peu coiffée, un peu à la pétard, hein, ben voilà. Que j'avais mal, ça me tirait au ventre, là, depuis hier. Donc, voilà. Mais sinon, tout va bien. Bon, en tout cas, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Je vous fais plein de bisous. Et coucou, maman. Coucou, Patricia. Sébastien, mon cousin. Coucou à tout le monde. Coucou à Marie-Noël. Coucou à Bibiche. Tout le monde, quoi. Et coucou à mes nouveaux abonnés, merci d'être là, merci d'être là et de me suivre, ça fait plaisir, merci d'être toujours, j'ai toujours des bons commentaires, franchement au top, prenez soin de vous, bisous!